dans votre programme, vous vous prononcez pour l'interdiction du voile dans les espaces publics. Qu'est-ce que sont pour vous les espaces publics? Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va jusqu'à dire l'interdiction du voile, du port du voile dans la rue? Alors certains pays le font. Moi, je propose simplement les lieux publics, des services publics. Voilà. Et à cet égard, je voudrais vous dire que nous allons vivre une journée qui est à marquer d'un signe de tristesse. Hier soir, on a appris que les assassins de la jeune Gofran, qui a été lapidée, ont été condamnés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est la première fois qu'on parle de lapidation en France. Et ce matin, pendant qu'on parle, ou tout à l'heure, va intervenir devant le congrès de l'UOIF, qui est la branche radicale de l'islam de France, du Conseil français du culte musulman, monsieur Hani Ramadan, qui est le théoricien de la lapidation. Et donc moi, mon combat sur le communautarisme, il est très simple. Le voile, c'est pas un colifichet, c'est pas une croix ou une kippa. Le voile, on sait bien que c'est un signe d'appartenance, un signe de soumission de la femme. Et donc, au nom de la dignité de la femme, au nom des lois de la République et de nos modes de vie, je ne peux pas accepter que des médecins se fassent tabasser dans les hôpitaux et que sur le territoire de la République, au Bourget, viennent parler comme conférencier introductif le théoricien de la lapidation. Parce que la lapidation, comme d'ailleurs la polygamie, comme d'ailleurs les mariages forcés, ne sont pas dans les traditions de la République française. Je suis le seul homme politique à oser aborder ce sujet. Karine Rissouli. Vous voyez, Philippe de Villiers, Dominique Souchier vous demande interdiction du voile, ça va jusqu'où? Jusque dans la rue. Et vous répondez lapidation, assassin de Gofran, etc. Est-ce que ça ne participe pas à l'amalgame? Non, à l'amalgame entre les musulmans. J'ai répondu à sa question et ensuite j'ai expliqué que nous étions devant un vrai problème. Il n'y a pas d'amalgame, non, il n'y a pas d'amalgame. Cette semaine, il y a deux événements qui sont évidemment de nature différente. Le premier, c'est les attentats d'Alger. Bon, c'est le problème de l'islamisme et du terrorisme. À chaque fois, bon, à chaque bon. Fois quand même, voilà. Ah, mais à chaque fois. Je veux dire, c'est le procès, est, mais, à chaque fois, c'est le mais, procès de l'islam. Attendez, hein. Dire, ils ne sont pas bouddhistes. Bon, si c'était bouddhiste, je ferais le lien avec le bouddhisme, voilà. Et si c'était le shintoïsme, on parlerait du shintoïsme. Bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Et donc je dis simplement, je dis même la chose suivante dans mon communiqué, peut-être que vous ne l'avez pas lu, que je me fais le porte-parole des musulmans modérés et qui ne veulent pas être stigmatisés en étant assimilés, amalgamés aux islamistes et à ceux qui passent de l'islamisme trop vous facilement. Vous dites ça, mais en même temps, derrière ce que vous dites, il y a ce que vous avez d'ailleurs dit, que vous pensez que l'islam n'est pas compatible avec la République. Je pense que dans le djihad sur le territoire français, il n'y a pas de possibilité de compatibilité avec la République. Donc il n'y a pas le djihad chez nous. On ne peut pas accepter le djihad. On ne peut pas accepter la charia. Quand M. Hani Ramadan déclare dans le journal Le Monde, dans un article retentissant à la une en 2002, un article qui avait beaucoup choqué, que les croyants devaient se soumettre à la charia plutôt qu'à la loi de la République, je dis mon désaccord farouche. Et je dis que Hani Ramadan n'est pas le porte-parole des musulmans de France. Il a été sanctionné dans son pays pour ça, il a été licencié de son poste de professeur, il a fait un cours que d'ailleurs il a gagné. Il est on ne peut pas l'interdire de venir en France pour un discours qu'il n'a pas encore prononcé. Écoutez, il est l'invité vedette de l'UOIF. Je suis persuadé que beaucoup d'auditeurs le découvrent et que ça les choque comme moi. Je pense que ça n'est pas prudent et je demande qu'il soit interdit sur le territoire français parce que des gens qui prônent la lapidation n'ont aucun droit de s'exprimer sur le territoire français. Ou bien on préserve la République ou bien on laisse entrer chez nous, comme dans certains autres pays, la charia. Vous avez parlé de l'Algérie. À Alger, les imams viennent d'appeler les Algériens à faire échec aux actions des kamikazes en soulignant que l'islam est une religion de paix et de concorde. Très bien, mais je vous signale quand même, Dominique Souchier, que l'orage de feu, l'orage des attentats, tourne dangereusement autour de la France, Angleterre, Espagne, Maroc, Algérie, et le 9 février dernier, vous avez vous-même rendu compte, un samedi matin, de la menace qui pèse sur la France. Je me demande si c'est pas dans une interview avec le juge Bruguière. Puisque le 9 février dernier, le GSPC, le fameux groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui s'est transformé en Al-Qaïda Maghreb, avait lancé un avertissement
en choisissant, je cite, la France comme cible à l'occasion de l'élection présidentielle. Alors, c'est pas moi qui rêve, hein. Nous sommes devant des réalités, hélas, et des vraies menaces. Et d'ailleurs, quand le ministre de l'Intérieur dit « oui, la France est sous la menace », que le juge Bruguière avant-hier dit « oui, la France est sous la menace », eh bien, il faut constater qu'aujourd'hui, la sécurité des Français est en jeu, et je demande au pouvoir public de ne pas céder à l'angélisme. Et je reproche à Nicolas Sarkozy, quand il prône le financement public des mosquées par les contribuables, la discrimination positive, le droit de vote des étrangers, de vouloir installer en France le communautarisme. C'est un point de désaccord avec lui, il y en a d'autres, notamment sur l'Europe.